justement poser et lancer une question. Où en est l'Europe aujourd'hui par rapport effectivement à ce rêve et à cette réalité initiale? Alors je pose la question. Je pose la question, je lance la question à nos invités et aux participants. Est-ce que quelqu'un souhaite pas prendre la parole sur ce sujet? Est-ce que je ne vois pas de main qui se lève, mais. Je ne sais pas, peut-être si Henri Malos m'entend, il a Oui. bien connu toutes ces périodes et Mario Soares, il aurait peut-être envie de faire un commentaire sur le sujet. Oui. Je rappelle qu'Henri Malos est le président de notre comité d'orientation et l'ancien président du comité économique et social européen. Oui, bonsoir. Attendez, je vais. Oui, bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. On Si. m'entend, Philippe. Moi, je t'entends. Oui. Oui, oui, oui. D'accord. Non, merci. C'était merci à Isabelle Soares, à l'ambassadrice, à Justedia, à notre cher ami, le professeur Tosi. Merci pour ce, merci pour ces interventions remarquables et l'autre intervenant. Voilà, donc c'était très touchant, très intéressant et aussi effectivement comme vous, je suis comme Christian, je suis marqué par ces personnages qui ont vraiment eu l'Europe, on peut dire, liée au cœur et au corps, en même temps que le bien-être de leur pays, de leur nation, d'en réaliser des choses immenses, et qui, comme quelques-uns, à la fin de leur vie, se sont mis à douter, non pas douter de l'essence du projet européen, mais douter de la tournure que l'Europe a prise au cours des 20 dernières années. Je veux dire très, très humblement, très modestement, je partage aussi ces doutes. Je partage aussi ces doutes sur, bien sûr, la dérive, je dirais, économiste, auquel tout est lié, tout est argent et tout est finance. Plus qu'économique, je dirais financière. Dérive financière de l'Europe aujourd'hui, qui ne parle de bilan, parle de chiffres, regarde bien sûr les situations financières, les déficits, balance des paiements de nos États, beaucoup plus qu'elle ne regarde la cohésion économique et sociale, qui d'une certaine manière favorise les grands conglomérats, les grandes entreprises, au détriment des petites entreprises, malheureusement beaucoup d'entre elles souffrent, disparaissent, qui oublie la question sociale, on en parle simplement comme ça, une sorte de PM, une sorte de cours mémoire. Et par rapport à ce que disait l'ambassadrice et ce que disait Isabelle Soares, aussi une Europe qui est en fait de moins en moins autonome, devient de plus en plus, je dirais, le vassal d'une Amérique qui essaie coûte que coûte de maintenir son hégémonie mondiale, une hégémonie qui, d'autre part, est en train d'être battue en brèche. Aujourd'hui, les BRICS représentent sur la scène économique ont davantage de pouvoir économique que les pays du G7. Donc, cette dérive de l'Europe, aussi bien, je veux dire, économique, idéologique, que dans sa perte d'identité et d'autonomie, est inquiétante. Je crois que c'est vraiment le message de ces grands Européens que nous devons garder en tête. Il nous appartient à nous, qui venons juste après ces grands Européens, et qui essayons de transmettre cette table, transmettre aux jeunes, non pas la vision d'une Europe sans âme, d'une Europe de la finance, mais un nouveau projet d'envergure pour
ce que Jean Monnet appelait les États-Unis d'Europe, avec qu'il a lui aussi, dans les dernières années de sa vie, bien c'était, il avait déjà, il a quitté la haute autorité, a établi ce comité d'action pour les États-Unis d'Europe, mais il s'est vraiment consacré, pendant les dernières années de sa vie, il s'est consacré parce qu'il voyait qu'il avait besoin de donner une nouvelle dimension au projet européen. Et maintenant, cette nouvelle dimension européenne que nous devons donner, sans hésiter, en étant iconoclaste, en n'hésitant pas à ne pas être politiquement correct, à bousculer l'ordre établi. J'ai bien aimé ce que racontait notre ami le professeur sur Mario Soares allant rendre visite en Tunisie à Bettino Craxi, en demandant au gouvernement italien de rendre hommage au roi Umberto. C'est un homme libre. Et c'est ça ce que je trouve tout à fait parlant dans toute ce bel hommage que nous avons tous rendu. C'était un homme libre. Nous devons être des Européens libres, ne pas avoir peur de critiquer ce qui ne va pas aujourd'hui, ne pas simplement réagir en fonction de l'idéologie de droite ou de gauche, idéologie ceci ou cela, mais réagir en tant que citoyen libre d'une Europe. Et je crois que le projet des États-Unis d'Europe est plus que jamais d'actualité. C'est un peu ça ce que je retire de ces échanges et de cette magnifique, magnifique commémoration. Merci Custodia, merci Madame Soares, merci à tous les intervenants que vous nous avez offerts ce soir. Un très très grand merci. Je pense que cette très grande liberté de ton, liberté d'esprit de Mario Soares doit nous guider. Moi, j'aurais bien aimé effectivement qu'il y ait des commentaires complémentaires de nos amis portugais par rapport aux différents exposés. S'ils avaient envie d'insister sur tel ou tel point, ça serait parfait. Madame l'ambassadrice, d'après Zacharias, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ou Monsieur João Amaral, Oui, Madame Amaral, pardon? moi je peux très très brièvement dire que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Cette idée d'être libre, un homme libre et un homme qui écoute. Mario Soares écoutait. Il demandait, il avait un esprit très inquisitif, il voudrait savoir des choses avec une genuine curiosité. Je me rappelle toujours un jour que j'arrive au palais. Et que je le vois là, il me demande comment est-ce que vous avez arrivé ici aujourd'hui? J'ai dit, ben, j'ai pris un train. Ah, alors, et le train, vous avez venu par train, oui. Et qu'est-ce que disent les gens dans le train? Ils voudraient savoir, ils voudraient, avec cette authenticité, savoir sur les gens qui étaient plus proches, ses amis, ils les écoutaient vraiment. Et les gens qui étaient un peu plus éloignés, il faudrait aussi savoir et voir et écouter, parce que dans sa vision, c'était toujours le peuple, toujours les gens qui sont capables d'apporter des nouvelles idées, des nouvelles possibilités. Il faut toujours revenir vers le peuple pour savoir quel est le chemin à suivre? Les hommes, aujourd'hui, quelquefois, les gens parlent des hommes politiques, les hommes politiques qui ont cette capacité d'être présents, des hommes forts, mais qui sont des hommes de cœur aussi. Et ça, je trouve que c'est très important dans la construction de cette Europe, une Europe qui doit prêter beaucoup plus d'attention aux questions de développement. Et ça, c'était un aspect que Mario Soares aimait bien, faire cette connexion entre le monde européen et l'Afrique et l'Amérique latine et le monde arabe. L'Europe comme un constructeur de ponts dans des différents continents. Et ici, aux Nations Unies, on voit ça tous les jours, tous les jours. Quel est le rôle de l'Europe dans cette construction mondiale, dans le multilatéralisme qui, quelquefois, est maintenant mis en garde sur beaucoup de dossiers? Il faut que l'Europe
regarde vers l'extérieur, regarde vers les autres et cette capacité d'écouter, ne pas toujours dicter qu'est-ce qu'il faut faire. Ne pas toujours dicter aux autres, il faut faire ça et l'autre chose. Il faut écouter ce que les autres veulent pour voir comment on peut aider et être présent comme vraiment, comme il disait Mario Suarez, un médiateur dans le monde. C'est ce que je suis très émue d'avoir pu participer à cet hommage parce que moi, Mario Suarez m'a marqué profondément comme diplomate, comme personne aussi, dans cette vision un peu plus élargie du monde, dans ce concept humaniste que j'essaie d'avoir toujours avec moi quand je travaille ici aux Nations Unies maintenant. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions. Camaral aurait peut-être quelque chose à indiquer. Mais je peux ajouter peut-être quelque chose en disant oui, Suarez écoutait, mais en même temps, il proposait. Et je crois que le problème qu'on a aujourd'hui en Europe, c'est que vous n'avez plus de dirigeants politiques qui vous montrent un chemin, une direction avec conviction. Cette génération héroïque de la Fondation, elle était déjà passée, qu'on soit revenu, mais il y avait d'autres leaders politiques en Europe, avec lui, qui pourraient proposer un chemin. Je ne vois pas ce genre de dirigeants aujourd'hui. Et les défis sont plus difficiles. Il faut dire ça. Je crois que l'Europe est devant peut-être la phase, le dessin le plus difficile de son histoire. Ce n'est pas seulement un problème c'est la guerre, bien sûr, mais c'est surtout quoi faire devant la guerre. Je ne vois pas de proposition cohérente sur cela. Les dirigeants qui pouvaient le proposer n'existent pas. Si on veut le voir comme d'un point de vue des États qui ont les ressources les plus importantes, on ne voit pas dans ces États-là la capacité de, je dirais même le courage d'avancer. Et alors, je pense que ça, c'est un élément très important qui est à moi-même, comme non seulement européen, mais européiste, me cause des préoccupations et des soucis. Je ne suis pas optimiste. Alors, on va quand même essayer de rester optimiste, même si je partage totalement ce qui a été dit et qui reprend un peu nos introductions respectives. Hein. Mais c'est très bien justement d'avoir cette lucidité et de trouver les bonnes pistes pour retravailler, redynamiser un petit peu et tous les efforts que nous faisons. Madame Isabelle Soit, je souhaitais prendre la parole. Oui, je voudrais seulement remercier cet hommage à mon père. Je pense qu'il est juste, mais moi, je suis sa fille. Alors, c'est difficile pour moi d'être indépendante. Mais je pense surtout ce qu'ont dit tout le monde. Je suis tout à fait d'accord, mais surtout le professeur Humbert et le professeur Henri. Je pense qu'il était surtout un homme libre. Un homme libre qui avait des valeurs et une fermeté de conviction. Il s'est toujours battu pour la liberté et surtout il disait ce qu'il pensait. Il s'en foutait un peu, pardon par l'expression, du politiquement correct. Il disait ce qu'il pensait. Ce qu'a dit mon ami Zemran aussi, c'est ça, il écoutait tout le monde, il avait cette capacité d'entendre et il voulait entendre tout le monde. Mais il décidait aussi, il avait une opinion, et il le faisait. Et moi je me rappelle que les dernières manifestations, il a été en vie, c'était pour se manifester contre l'invasion de l'Irak et contre la guerre. Il était toujours, et je me demande ce qu'il penserait aujourd'hui de ce qui se passe en Europe et dans le monde avec ces deux guerres terribles qui sont présentes. Mais il nous a laissé sa pensée, il nous a laissé surtout cette volonté de lutter pour ce qu'on croit, pour une Europe
pas une Europe des riches, mais une Europe de tout le monde, une Europe solidaire, une Europe sociale, une Europe des droits humains. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. Et maintenant qu'on est à un mois presque des élections européennes et qu'il paraît que l'extrême droite va avoir un poids très important, il faut qu'on pense à cela et à ces enseignements de ces Européens, de ces pères européens, et que surtout on puisse élucider les jeunes. Les jeunes doivent savoir, et c'est ça ce qu'on fait. Moi, je le fais dans mon école tous les jours, mais c'est ça qui est important. C'est conquérir les jeunes pour le projet européen, mais pour le projet européen de l'Union européenne. Juste, solidaire et ni des droits de l'homme. C'était ça et je remercie beaucoup la Fondation et tous les participants. Écoutez, je pense qu'à moi qu'il y ait quelqu'un qui souhaite intervenir, on va rester sur ces très beaux propos de la fille de Mario Suárez. Être une fille dans une famille, c'est pas nécessairement un défaut, bien au contraire, et c'était assez extraordinaire que vous ayez pu le suivre justement dans toute une partie des relations internationales, de renouer le Portugal avec l'Europe. Donc ces éléments historiques sont fantastiques. Beaucoup de choses ont été évoquées qui rappellent aussi un peu la méthode Monnet, hein. C'est-à-dire cette façon d'être, on parlait du comité d'action pour les États-Unis d'Europe, la façon d'avoir toujours un plan A, B ou C dans la poche, être capable de relancer, de dire ce qu'on a à dire, d'avoir une direction à apporter. Et tous les éléments apportés par différents intervenants étaient extrêmement précieux justement pour donner aussi de la chair à un homme, hein, au-delà de l'image qu'on pouvait porter. Moi, je suis très heureux de cette réunion. Les échos que j'ai déjà eus, parce que j'ai reçu pas mal de SMS, étaient très positifs. Donc, ce sont des types d'opérations à faire. Et moi, je souhaite qu'on continue avec la Fondation Mario Suárez, avoir de bonnes relations, à relayer les informations utiles et nécessaires que vous souhaiterez, d'une manière absolument souple. Notre ambassadrice, je m'excuse pour l'autre, en l'occurrence, c'est évidemment la Custodia Dominguez, et on fait le lien général, et entre Européens tels que nous sommes, ça donne de très belles perspectives, et encore un grand merci pour cette belle proposition et d'avoir honoré Mario Suárez ce soir.